D'accord. Donc, je suis Elvis Adom, étudiant en médecine à l'université de Ouaga et président du comité d'organisation de cette soirée. Voilà, tout d'abord, la fête d'indépendance du Togo, le 27 avril cette année, a été l'occasion de célébrer les 63 ans d'indépendance. Malheureusement, ici au Burkina, étant donné que le contexte sécuritaire ne permet pas vraiment de se réjouir, nous avons tenu à joindre l'agréable, donc la fête d'indépendance du Togo, à l'utile. L'utile comment? Ici, la crise sécuritaire occasionne des déplacements de personnes à l'intérieur du pays, des zones les plus dangereuses vers des zones avec plus de sécurité. Donc ces gens-là vivent en majorité dans des situations assez précaires et nous avons décidé, donc dans le cadre de notre fête d'indépendance, de rassembler des gens autour d'un dîner et profiter par cette occasion pour rassembler des dons en nature ou en espèces pour le bien-être de ces populations déplacées là qui souffrent. Wow. Le message à l'endroit du peuple togolais, déjà, c'est un message d'heureuse fête, parce que c'est la fête d'abord, et c'est aussi l'occasion d'attirer leur attention sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. Parce qu'il est vrai que le Burkina est l'un des pays les plus touchés, mais c'est une situation qui menace tous les pays de la sous-région. Donc de ne jamais oublier la solidarité et voilà, avec les pays qui sont dans des situations plus compliquées au niveau de la sécurité que le Togo.